strong at heart, but we're still dreaming. Wide open, leave this place behind, no matter what they say. Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Madventure. Et vous avez vu le titre, aujourd'hui on va faire de la chasse au trésor. Parce que, encore une fois, alors déjà j'ai envie de faire un épisode un peu plus chill par rapport aux autres, où on a quand même fait pas mal de choses, j'ai envie de dire. On a fait quoi? On a fait l'Ender Dragon, on a fait l'End City, etc. Et en plus maintenant on a des Elytra. Alors j'ai fait des petits trucs en off, je vais vous montrer déjà. Dans un premier temps, regardez ici une pousse de cherry, donc de cerisier. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible puisqu'on n'a pas encore découvert ce biome? Et bien tout simplement, et d'ailleurs il est parti. Faites pas attention à mon skin, vous inquiétez pas, j'ai oublié de le changer. Vous comprendrez à l'avenir pourquoi j'ai ce skin. Mais il y avait un marchand, alors le marchand je sais pas où il est passé. Il est parti, il y avait un marchand et il échangeait contre, alors je me suis fait un peu douiller, je crois 5 ou 6 émeraudes, quelque chose comme ça. Il échangeait une pousse de cherry et je me suis dit ça tombe super bien parce que j'ai envie de découvrir ces arbres là. Et pour le moment on n'a pas encore généré des chunks dans ces biomes là, sachant que c'est une nouveauté donc de la snapshot. Voilà, donc j'ai planté, on va voir si ça pousse ou pas, j'en ai aucune idée parce que j'ai l'impression que ça ne pousse pas. Deuxième truc, j'ai enlevé, j'ai cassé ma ferme à vaches et à moutons là, vous savez ma ferme auto. J'ai décidé de l'enlever parce que ça me saoulait, ça faisait trop de bruit pour rien, je l'utilisais même pas. Ça me lassait parce que je l'utilise pas et parce que voilà, je préfère le naturel. Les usines c'est bien pour les trucs redondants, mais je préfère quand même m'occuper de mes vaches moi-même ici. Deuxième ou troisième truc, vous avez raison, ma vache mushroom, je crois que je l'ai vraiment taillé. Je savais pas du tout que ça allait la faire despawn, donc je suis un petit peu dégoûté. Pour le reste ça se passe dans le village, mais on va y aller avec les Elytra et on va partir directement. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, je suis vraiment 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 content. Pour la ferme à miel, je ne comprends pas puisqu'il n'y a aucune abeille qui rentre dans la ferme à miel. Donc j'aimerais bien que vous me donniez des astuces. Alors j'ai remarqué que Madventure, ça y est, ça attire moins. Voilà, ça c'était le truc classique. Je savais quand j'ai démarré Madventure, c'est que le premier épisode tout le monde est content et puis le 20ème il n'y a plus personne. Et ça je le savais, vous inquiétez pas. Moi je... pas grave, vous inquiétez pas. C'est un plaisir. S'il n'y a plus d'épisodes, c'est que j'ai envie d'arrêter. Voilà, je dis ça, je dis rien. Il n'y a pas d'abeilles, donc si jamais il y a encore des gens qui regardent la série et qui s'y connaissent, n'hésitez pas à m'aider. Pourquoi il n'y a pas d'abeilles? Comment je fais pour les attirer? Est-ce que je dois mettre une laisse et les ramener? Bref, du coup les amis, on va mettre les Elytra puisque je vais pouvoir lui mettre Mending. Enfin, je l'ai fait, j'ai mis Mending sur les Elytra puisque j'ai refarmé les villageois et je vais vous montrer ça dans le village justement. Alors regardez, hop. Voilà, donc Mending, on va prendre les fireworks qui vont nous permettre, j'ai pas besoin d'en prendre autant franchement, qui vont nous permettre de partir à l'aventure. Carte au trésor, regardez, souvenez-vous, on s'est cassé la tête pour trouver les trésors et on trouvait jamais, mais heureusement, Red Thunder, encore une fois, m'a donné des techniques sur Discord, donc ça c'est vraiment chouette. Celui-là, on n'y est pas encore allé alors que lui, on y est déjà allé. Mais non, c'est encore des nouveaux... What? Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais, non, attendez, je suis trop con. Ça, c'est pas une carte au trésor, ça. Ça, c'est chez nous, ça. Ça, c'est chez nous, ça. Regardez, c'est le cacabrin que vous voyez, c'est ça ici. Putain, je suis débile. Je me disais. Par contre, ah ouais, j'ai jeté toutes mes autres cartes au trésor, je suis vraiment débile. Ah, je suis trop con. Donc là, j'en ai une vraie. J'en ai pas ailleurs, là. Attendez, je vérifie juste quand même. On sait jamais, non? Non, là, j'ai rien, peut-être ici. Bon, de toute façon, sur le chemin, on va peut-être trouver des trucs. L'idée, c'est de pas trop générer des chunks, mais quand même. On va quand même se balader. C'est un épisode chill, mais où on va justement faire des trucs sympas. Voilà. Donc, hop, on va mettre les Elytra. Alors, Mending, je rappelle, ça va nous permettre de réparer les Elytra avec de l'XP. Et donc, du coup, on va pouvoir l'utiliser vraiment à l'infini. Et ça, c'est chouette. Et regardez-moi cette rapidité. Et voyez les vaches, comme elles sont épanouies quand elles sont libres. C'est quand même bien plus sympa. Alors, regardez un petit peu le village, ce que j'ai fait. Ah, je suis trop content des Elytra, vraiment. Ça va nous changer la vie. Donc évidemment notre villageois ici, notre villageois Mending préféré, il va très très bien. Je lui ai fait donc des échanges, livre, une émeraude pour 4 livres. Et puis après donc le Mending qui est juste là avec 26 émeraudes et un bouquin. Mais c'est pas tout les amis, puisque justement, vu que les villageois se reproduisent et ça fonctionne, je suis content. Les villageois se reproduisent, ça fait des bébés, les bébés grandissent, etc. Hop, je vais mettre ça ici, ça nous permet de switcher. Hop, je vous montre un petit peu. Je le rappelle, faudra vraiment qu'on décore et qu'on change un petit peu tout ça, mais bon, vous inquiétez pas. Résultat, j'ai enfermé un villageois ici à l'intérieur. Bon, je l'ai tapé, il a pas kiffé parce que j'ai eu du mal à l'enfermer. Je vais pas vous mentir. Et lui, il échange. Bon, vous voyez, il est toujours énervé contre moi. Donc, je me suis fait douiller, mais c'est pas grave. Donc, 24 laines contre une émeraude, mais sinon, en réalité, c'est 18 laines. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir pas mal d'émeraudes. Et c'est pas tout, c'est pas fini, puisque juste ici, alors
J'ai mis le loom ici, hein, son métier, parce que j'ai dû l'enfermer d'abord là, et puis bon, vous avez compris que j'ai galéré. Hein. Hop, juste ici d'ailleurs, il y a des nouveaux. Oui, il y a un bébé maintenant qui s'est rajouté. Eh bien ici, monsieur, 32 bâtons. Pourquoi j'ai récupéré l'XP d'un coup là? What? 32 bâtons, une émeraude. Donc je peux vous dire que on est plutôt pas mal. Voilà, ça fait plaisir, je suis content, ça avance. Ça avance, hop, voilà, nickel. Bref, donc voilà un petit peu pour ça. On va du coup directement, on va dormir. On va dormir parce qu'il fait nuit, j'ai pas pris de lit sur moi, mais vous inquiétez pas, j'ai la technique. Hein, il suffit d'aller là, hop, et de dormir. Tout simplement, il y a des lits ici, autant en profiter. Voilà, allez, bonne soirée à vous. Reproduisez-vous bien. On va mettre les élytras, on va mettre la Buried Treasure Map, et il me semble que de toute façon c'était par là-bas. Oh merde, j'ai foiré la firework. Donc il me semble que c'était par là-bas. Hein. Et par contre, on va se déplacer d'une vitesse. Ah bah on va en profiter pour aller dans ce village là juste. Voir s'ils se sont reproduits ou pas. Parce que personne m'a répondu non plus également. Je me sens comme un connard. Personne me répond mais c'est pas grave. Personne ne m'aime. Ah merde. Bon c'est pas grave. Personne ne s'est reproduit. Hein. Je vérifie. Non, personne ne s'est reproduit. Je ne comprends pas pourquoi ici ça ne fonctionne pas. Je veux bien que vous me répondiez quand même. Hein. Hein, ce serait vraiment chouette de votre part. Voilà. On fait l'aventure ensemble, hein, on n'oublie pas. Hein. Bref. Bon bah ma foi. Tant pis pour eux. Allez, c'est par là-bas. Ah, ça change du cheval, ça change du bateau, ça change de plein de choses. Hein. Et on peut vraiment se régaler parce que les fireworks, c'est pas ce qui manque. Sachant qu'on a notre ferme, notre tour à mob. Notre salle à mob, c'est par ici. Donc du coup, on a de la gunpowder illimitée. Ok. Quoi? Ah, on était encore jamais... Ok, on était... Ah si, si, on était déjà là, non? Non, on n'avait jamais fait celle-là, je crois. On n'avait jamais fait celle-là, mais elle me ferait péter un câble également. Hein. Alors voilà, la technique, elle est très simple. Il faut se mettre... Merci pour vos astuces. Il faut se mettre, bon, sur la croix déjà. Voilà, il faut se mettre sur la croix. Et ensuite, on regarde les coordonnées. Ah si, je suis déjà allé là, regardez, il y a déjà un trou. Il y a déjà un trou juste ici. Donc on a déjà fait cette carte au trésor-là. Et en fait, il faut regarder les coordonnées. Et il faut que ici, ce soit écrit 9. Et ici, 9 également. Donc déjà là... Il y a 9. Et si on va vers là-bas. Allez. Ouais. Donc c'est pile là où j'étais pas, tu vois. 11, 9. 19. Et là, on est sur du 9, 9. Donc là, maintenant, à partir de là, on va pouvoir creuser soit vers le haut, soit vers le bas. D'accord. Oh putain, bah voilà. Eh, regardez comme on a galéré à faire tout un trou. Pour au final, que le coffre, il soit là, bordel de merde. Non mais c'est une blague. On se fout de moi quoi. Il était juste là. Il y avait juste à casser un bloc de gravier. J'ai trop le seum. Bon, qu'est-ce qu'on a? Earth of the Sea, émeraude. Ouh, nice. Un peu de fer, un peu de poisson, de la prise marine, du poisson. Et une tenue en cuir que je vais quand même prendre. On va éviter de mourir. Hop. Parfait. Bah vous savez quoi? On va essayer de trouver d'autres... j'ai pas besoin de... Alors du coup je peux jeter cette buried... Je peux l'acheter, j'en ai plus besoin du coup. On est bien d'accord. Par contre, je sais qu'il y en a une autre là-bas je crois. Si je dis pas trop de bêtises, il y a une épave là-bas. Mais on a déjà fouillé toutes les épaves du coin. Il me semble qu'il y a une autre carte au trésor. Enfin une autre, un autre trésor là-bas hein. Je sais plus si c'est ici ou pas. Ouais, regardez, il y a des trous partout là. Il y a encore les, il y a encore le sable qui a pas des pop. Excellent, alors du coup 13, 10, 9. Ok. 9 6, 9, 9, 9. Regardez, juste ici. Oh, j'ai trop le seum et ça va être juste là. Eh, voilà. Incroyable, donc deux prises marines, de l'or, du fer. Oh, c'est génial, c'est formidable. Oh, potion de, pour respirer sous l'eau, incroyable. Et donc, vous voyez, le coffre était là et j'ai creusé tout là, tout autour. Eh, franchement, le seum. Le seum, bon, ça fait plaisir. Eh ben, vous savez quoi, les amis? Comme dit, j'ai pas trop envie de générer des nouveaux chunks, mais vas-y, ça m'excite là. Ça m'excite, donc vous savez quoi? On va partir directement à l'aventure. Les épaves là qui sont derrière, on les a déjà fouillées les gars. Hein, donc il n'y a vraiment pas de secret. Il y avait une jungle aussi juste là, une mini jungle de rien du tout. C'est excellent avec du bambou là, très bien. Incroyable. Voilà, donc là on va essayer de trouver des épaves de bateaux. Éventuellement pour avoir des nouvelles cartes au trésor. Ok, donc là on a une dark forest là-bas. Ça va rappeler le monde de Mkolo quand j'avais construit une cabane dans les arbres. Certains m'ont dit de refaire une cabane dans les arbres toute moche. Bon, je vois pas trop l'intérêt de le faire, hein, pour être très honnête avec vous. Et j'ai très hâte que l'1.20 sort, hein, vraiment, ça va changer la donne. Dès que l'1.20 sort, j'annonce, les acolytes viendront sur le serveur de manière
Bah, comme ils en auront envie. Hein. Et je pense que j'inviterai certains d'entre vous. Le biome mushroom qu'on a découvert en live, bien sûr. Ah, si jamais je peux récupérer de nouveau des vaches. Et là, on a une île volante. Eh, ça aussi, ça rappelle Madventure 2.0. Eh, venez, je m'installe là-haut. Non, je rigole, évidemment. Mais par contre, elle était bien, mon île volante sur Madventure 2.0, en vrai. Hein. En vrai, Madventure 2.0, j'en ai une très mauvaise expérience, et vous aussi. Mais ma construction sur l'île volante, elle était vraiment pas mal. Elle était vraiment pas mal. Faisons attention quand même aux élytras, hein, parce que même si amending, ce serait dommage de les casser. Ok, pas grand chose en vue. Pas grand chose en vue. Mais attendez, mais je suis débile. Mais reste ici, frère, j'ai de l'XP en masse. Je suis complètement con. J'ai de l'XP en masse, frère. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tenir dans la main les élytras, d'accord. Ouah, j'ai cru que j'avais perdu mon plastron. Comment je me suis chié dessus? J'ai cru que j'avais cassé mon plastron. Oh mon dieu, bon bref. Donc là on va réparer les élytras, tout simplement en faisant un peu d'XP. Et vous voyez ça fonctionne puisque les élytras dans ma main gauche apparaît et disparaît, regardez. Voilà, ça fait touc touc touc. Donc ça fonctionne, parfait. Donc on va récupérer un petit peu d'XP par ici. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous kiffez cet épisode. Et puis j'espère que vous kiffez ben, autant la, toujours autant la série jusqu'ici pour ceux qui continuent de la suivre. Alors je sais que Sons of the Forest a fait que... alors c'est un peu un effet pervers, hein. Malheureusement, c'est que même de mon côté, ben, quand il y a eu Sons of the Forest, ben, je me suis carrément détaché de Minecraft encore une fois. Et c'était ma crainte, je la voyais venir à 200 à l'heure. Et donc là j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dedans. Mais là l'idée de me dire que les acolytes vont me rejoindre, ben, ça me fait plaisir. L'exploration, ça me fait plaisir. Mais vous voyez, j'ai de nouveau plus la flamme du début. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Ça va revenir parce que je vais me remettre au live sur Madventure, je pense. Et ça va me remettre la flamme d'être avec vous en live. Et avec les acolytes éventuellement d'ouvrir le serveur pour qu'ils viennent quand ils veulent. Mais pour autant c'est vrai que c'est plus pareil encore une fois. Mais ça va revenir, ça va revenir. Merci Sons of the Forest, hein. Mais c'est sûr que quand tu passes d'un jeu à l'autre, ça fait toujours un peu bizarre. Voilà. Faut dire que en fait la flamme de Madventure que j'ai eu au début et qui va revenir, je le rappelle vraiment, hein, là j'ai quand même un petit plaisir là, je vais pas vous mentir, que je n'avais pas vraiment, hein, sur Madventure 2.0. Là-bas il y avait également une temple sous la mer. Mais en fait quand je faisais Minecraft, le début de Madventure là de nouveau, c'est j'avais juste pas d'autres jeux quoi. Genre Call of ça m'avait saoulé, il y avait pas encore Sons of the Forest, Euro Truck ça m'avait saoulé. Enfin vous voyez, donc donc au final, je veux dire, au final, bah, Madventure, je m'éclatais parce que je n'avais que ça. Et là maintenant, c'est vrai qu'on a, on a des jeux vraiment supérieurs, si je puis dire. Et donc forcément, bah, ça casse un peu le truc. Mais voilà, ça va revenir et comme dit, j'ai hâte de vous retrouver en live. Alors j'ai un petit problème, je vous l'ai dit sur Twitter, c'est que à la fois, j'ai envie de faire des lives et à la fois, j'ai pas envie de faire des lives. C'est très bizarre, hein. J'ai un petit côté, je sais pas. J'ai un petit côté de faire des lives, j'ai l'impression que je gâche quelque chose à faire des lives. Et en même temps, bah ça me manque. C'est trop bizarre, hein. Bref. Ah, j'ai vu une épave là sous l'eau là. J'ai cru voir une épave, il y en a une deuxième derrière. Il y a des dauphins. Alors, il n'y a pas d'épave là où j'ai cru, mais par contre il y a une épave derrière. Là ici il y a une épave, allez let's go. Wouhou. On y va. On n'a pas besoin de bateau nous. Elle est profonde. Ah merde, on peut pas nager quand on a les élytras. Voilà. D'accord, ouais. Quand on a les élytras, on peut pas nager. L'épave, elle est là, parfait. Allez, c'est parti. Je vais jeter le sable. Alors, voyons voir. Bon, je peux respirer sous l'eau avec une potion, mais on va quand même faire des économies. Oh, purée. Alors. Je veux bien, hein. Je veux bien, mais il s'agirait de pas mourir. Là-bas, il y a des coraux. On va régénérer un peu la santé. Une savane là-bas, une jungle de nouveau. Il y a de la jungle partout, hein. Ça, c'est formidable. Allez! Alors, on a pas de chasse au trésor ici, pas de carte au trésor. Je vais enlever quelques trucs pour quand même me dire que je suis passé par là. Ah, le papier quand même. Le papier quand même. Là, il y a une poche d'air. Parfait. On respire sous l'eau. Désolé, on voit pas grand chose. Est-ce qu'il y a un coffre ici? Oui. Et une carte au trésor, parfait. Parfait, on va prendre les bouquins et le papier parce que ça, clairement, bah pour le mending, hein. Et on va voir où c'est que ça nous mène cette carte au trésor. Hop. On est pas loin. On est pas loin. Oh là, les guardians là-bas. À mon avis, ça doit être par là-bas. Alors, par contre, pour redécoller, est-ce que je peux redécoller dans l'eau? C'est une vraie question d'actualité. Elytra, est-ce que ça marche? Oh oui, ça marche! Bon, j'ai usé plein de fireworks, mais ça fonctionne. Bon, on va aller par là-bas. Est-ce que je m'éloigne ou non?
Je ne sais pas. Il y a un village. Ouais, c'est bon, c'est là-bas en plus. Ça va être dans le village. Oh ! Oh oui ! Incroyable ! Oh non, c'est génial, je suis heureux. Bon, du coup, on a généré des chunks et du coup, des nouveaux chunks. Oh oui, le biome cherry ! Oh, je suis trop content ! Eh, vous vous rendez compte quand même qu'en live, un des derniers lives que j'ai fait qui remonte maintenant à un moment donné, quand même, j'ai parcouru je ne sais combien de chunks pour au final générer des chunks, donc, et ne pas trouver ce biome. Et là, on trouve le biome. Incroyable ! C'est magnifique ! Oh, c'est absolument fou ! C'est absolument fou. J'adore. Alors, après, je vais être très honnête avec vous. Bon, là, on va le découvrir. Mais moi, quand on m'a annoncé ce biome, j'étais pas excité de dingue. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps en modé. Et en plus de ça, franchement, il n'y a rien d'autre à part ça. C'est des arbres roses. Alors, je casse tout de suite le... Je casse tout de suite le truc, mais c'est juste des arbres roses, hein, des arbres cerisés. Mais il n'y a même pas de structure, il me semble. Hein. Il n'y a pas encore de coffre ou je sais pas quoi. Donc, en vrai, c'est pas, c'est un peu useless pour le moment, mais trop stylé et hâte de voir et de découvrir. Si ça se trouve, ça ne peut que pousser dans un biome spécifique et c'est pour ça que ça marche pas chez moi. Si ça se peut également, il faut mettre 4 pouces l'une à côté de l'autre, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai pris ma hache sur moi, j'ai pris tous mes outils. Hein, donc, vous inquiétez pas qu'on va découvrir ça. On va voir un petit peu le village également parce que... Coucou petit chaton. Eh, hey, j'ai du poisson frère. Petit chat. Petit chaton. Tu veux du poisson? Tiens. Tiens. Poisson. Tu veux pas poisson? Eh hey, prends mon poisson. Mais comment on fait pour adopter? Je l'ai déjà fait pourtant, je comprends pas. Parce qu'un coup on me dit qu'il faut être faut pas lui faire peur. Un coup on me dit qu'on s'en fout. Moi je comprends plus rien. Par contre, c'est marrant, un cerisier à côté d'un biome neige. Enfin, c'est un peu... bon, bref. Je sais pas, moi, je crois qu'il y a un truc un peu incohérent. Alors, de l'émeraude... on n'oublie pas la chasse au trésor, parce que, attendez... Eh, on rigole, mais c'est juste là? Non? Absolument, je suis passé. Je suis passé chez Soch. Alors, attendez, je vais revenir sur mes pas, parce qu'on est là pour la chasse au trésor, quand même. Alors, bouge pas. Ça se passe ici. Bon, là, c'est bien, c'est pas dans la mer. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Tadam. C'est ici. C'est ici, donc là tu fais ça. 14, 9. Oh, 9. 9. C'est ici, messieurs, dames. Et voilà, magnifique. Ah, c'est embêtant. Est-ce que. Mais tu peux me respecter un peu là? Alors, oh! Waouh! Ok, nice! D'accord. TNT, gold, 3 Earth of the Sea, 33 émeraudes. On a un nouveau mending, les gars. On a un nouveau mending, les potions pour respirer sous l'eau, par contre ça c'est vraiment que du bonheur. Voilà, putain c'est bon ça, c'est très très bon, je vais jeter des trucs un peu comme ça mais... Oh c'est chouette, non mais hey, cet épisode il est insane en vrai non? En vrai, est-ce que cet épisode il est pas incroyable? Est-ce que cet épisode il est pas incroyable? Bon, et en plus c'est sympa parce qu'il y a une petite montagne ici, petit cerisier là. Limite ça donne envie de s'installer là mais vas-y on s'est déjà installé ailleurs donc... Ah c'est chiant, ça donne envie de s'installer là. Bon mes acolytes pourront très bien le faire mais... Mais de manière personnelle, j'aurais trop aimé, regardez. Voilà, j'aurais trop aimé m'installer là, quoi. Oh. Et en plus, ça rappelle tellement le monde de Mkolo, vraiment. Hein, où j'avais fait la maison en haut de la montagne. Là, on a tout un biome cherry. Et en vrai de vrai, sachant... Attendez, j'ai même pas la render distance à fond, là. Hop, j'ai fait planter le jeu. En vrai de vrai, là, savane. Eh, ça aurait pas été chouette de s'installer là? Est-ce qu'on s'in... Eh, franchement, les mecs, m'en fous. Je veux pas laisser cet endroit à mes acolytes. Non, je veux pas laisser cet endroit à mes acolytes. Enfin, je veux dire, je veux faire quelque chose avant. Les mecs, ici, c'est chez moi. C'est mon nouveau chez moi. On fera un portail pour se téléporter, à la limite. Bon, de toute façon, on peut se déplacer, c'est pas loin. Hein. C'est pas loin de la maison. Ici, je veux qu'on fasse... Je vais noter les coordonnées. Ici, je veux qu'on fasse quelque chose. Hein. On construira un truc. Vous êtes chaud ou pas? Dites-moi en commentaire, mais en vrai, en vrai de vrai, y a quelque chose à faire. Alors voyons voir un petit peu. Putain, c'est grand en plus. Oh, il y a des fleurs. Oh, attendez, c'est trop choupinette ça. Alors là, il y a des ruches. J'ai pas une silk touch sur moi là. Non, j'ai pas pris de silk touch sur moi parce que j'aurais bien aimé que j'ai des abeilles chez moi quoi. Alors il y a des petites pétales qui tombent. Oh, c'est chouette. Pink pétales, on peut faire. Oh bah de la pink dye, donc du colorant rose. Eh, là on a du colorant rose illimité hein. Là mon pote, on a du colorant rose illimité. Oh c'est trop joli. C'est trop joli, salut cochon. C'est trop beau.
J'adore. Je tiens du cochon dans ma main, regarde. Je mange ton confrère. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Putain, c'est incroyable. C'est très joli. C'est très joli. Mais du coup, on est d'accord, il n'y a pas de structure. Il y a juste... Oh, c'est juste des cerisiers, quoi. Me semble-t-il. Hein. C'est juste des cerisiers. Mais c'est très joli. Là, il y a des abeilles. Ah, oh, ok. Vous voulez pas aller dans ma ruche chez moi? Eh, c'est super beau. Bon, je fais plein de screens parce que j'aime trop. Incroyable. Incroyable, on va prendre un peu de hauteur. Waouh. On va pas trop générer de chunk. What? Il y a carrément un village. Dans un trou. C'est quoi ce bordel? Mais wesh, y'a rien qui va chez eux là. Y'a rien qui va chez eux. Hop. Doucement, doucement, doucement. Très bien. Incroyable. J'adore ce jeu. Oh là là. Oh, des chèvres! Y'a des chèvres! Y'a des biquettes! Ok. Bon, y'a pas de. Je vais même pas piller leur village. J'en ai rien à faire moi de leur village. Attendez, je fais juste encore un dernier tour par là-bas. Rapidement. Et après, on essaie de voir si on peut choper encore une épave, un truc comme ça. Buried treasure map, du coup, j'ai plus besoin de ça, je peux jeter. Ok, bon, là, c'est nul, c'est que de la neige. Donc, on va revenir vers notre base, mais en passant, en faisant un petit tour, quoi. Même si je pense que malheureusement, on va recroiser des endroits. Ah, pas sûr, je sais pas. On va voir. On va passer par le biome cerisier quand même. Ah, bah non, mais je vais récupérer du bois quand même. Je suis con, j'ai failli partir sans ça. Oh, mon dieu. Donc, on a récupéré les pétales qui sont par terre. Maintenant, on va quand même récupérer pour voir. Le bois ici. Ok. Donc on se retrouve avec de la cherry log qui nous fait, oh là là, des planches. Et par contre, eh, c'est magnifique. Alors par contre, du bois rose, en vrai de vrai, en vrai de vrai, hein, je pense qu'en termes de construction, ça va se régaler. Si on casse ça, ça nous donne des pouces. C'est des vraies feuilles ou pas ça? On dirait pas des vraies feuilles. Est-ce que ça tombe tout seul? Ah oui, ça tombe tout seul, ok. Donc c'est des vraies feuilles, très bien, d'accord. Ah, c'est marrant quand même. Bon, on va s'en choper un petit peu quand même. On va pas non plus dénaturer là. Et puis on va se... bizarre cet arbre aussi là. Vas-y, on va récupérer encore cet arbre là. Hop. Et le bruit, il est sympa aussi, hein. Plop, plop. Hop, nickel. J'aimerais bien une pousse. Y'a pas une pousse là qui voudrait tomber? C'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Ah si, ça y est, il y a de la pousse qui tombe. Oh, 2, 3. Ouais, je pense qu'en fait, faut les mettre l'une à côté de l'autre. Ou alors, on est dans un biome spécial. On est dans un biome plein, hein. Ah voilà, Cherry Grove. Ouais, je pense qu'il faut être dans un biome Cherry Grove. Pour que ça pousse. Je crois qu'il y a une petite arnaque. Bon, ben ma foi, très bien. Bon, ça donne des sticks aussi. C'est comme du bois normal, très bien. Ok, cool. Eh ben, c'est chouette. C'est plutôt chouette. Je suis assez content d'avoir découvert ça. Je m'attendais pas à ça en vrai, hein. Moi, comme dit, quand je suis parti, c'était vraiment pour faire de la chasse au trésor. Et ni plus ni moins d'ailleurs. Moi, le biome cerisier, je m'attendais à tout sauf à ça. Et m'en foutais un petit peu à la base. Mais je suis assez content du coup de l'avoir trouvé. On a des petits ânes. Et on a un village là-bas également qui nous attend. Vas-y. Est-ce qu'on a déjà vu ce village? Je pense pas, je sais pas. Bonne question. J'adore les élytras, hein, vraiment. Je surveille un peu. Vous avez dit qu'on peut mettre Unbreaking. Donc ça, c'est pas mal. Non, on n'est jamais passé par ce village. Visiblement. Non, visiblement non. Bon, écoutez, on va les laisser tranquilles. J'ai assez foutu mon bordel quand même dans les villages. Hein. J'ai assez foutu mon bordel dans les villages. Là, visiblement, ça génère des nouveaux chunks parce que j'ai quand même des chargements. Donc c'est pas mal. Bon, c'est des chunks... Enfin, c'est des biomes... Des biomes sapins. C'est pas ici qu'on trouvera de la carte au trésor. Mine de rien, quand même, fructueux, hein. Fructueux notre expédition, hein, si je puis me permettre. Le biome mushroom. Ok, donc là on fait le tour. Oh, on a une épave là-bas. Alors, est-ce qu'on l'a déjà chopé? Je pense que oui. Je pense que oui. Je vais faire gaffe à mes élytras, vraiment. Hein. Hop. Je pense qu'on a déjà chopé cette épave. Mais on sait jamais. On sait jamais. Ouais. C'était sûr.
C'est une des premières épaves, bien sûr, c'est une des premières épaves qu'on a fait pour trouver une jungle là-bas. Pareil, hein, on avait fait des bornes, et je parle pas d'Elisabeth, mais on a fait des bornes alors qu'on avait tout à côté de chez nous. C'est vrai, on a un biome cherry juste à côté de chez nous. Enfin bref, on a vraiment tout à côté de chez nous, quoi. On n'a pas besoin de faire des bornes, et ça c'est chouette. Parce que j'ai pas de voiture électrique, moi. Allez, bah oui. Bah là, on était là tout à l'heure, là, juste avant. C'est là qu'on a fait une... Bah le premier trésor qu'on a fait, il était là. Je crois. Bref. Ok, là c'est notre village. Enfin le village où ça reproduit pas. Et moi mon vrai village il est là-bas dans le biome savane. Enfin c'est pas un biome savane mais c'est là où il y a des arbres de savane. Oh c'est fou. C'est vraiment à côté hein. On n'a pas trop de chemin à faire hein. En vrai de vrai. Ah c'est sympa. Bon j'ai vraiment kiffé cet épisode hein. Regardez je passe dans la ville. Wouh. Aïe. Oh non. Oh quel débile. Bref les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Moi vraiment je me suis régalé. N'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire qui fait plaisir. Et puis vraiment on va voir peut-être pour continuer l'aventure un peu plus en live que en vidéo, je sais pas trop. On va voir en fonction de si vous êtes hypé ou pas. Bon le faire ça fonctionne très très bien, c'est un truc de zinzin. Et nous on se retrouve très vite pour le prochain épisode, prochaine vidéo, prochain live, etc. Toi-même tu sais, je vous fais plein de bisous. C'était Mkolo, ciao tout le monde.